Bonjour à tous et à toutes. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux ex, les filles que Francis Nwemba a pointées. C'est vous qui avez voulu qu'il vous pointe. Et comme c'est un homme, il a bien fait de vous pointer. Maintenant, il a retrouvé sa femme. Parce qu'on ne mâche pas les mots. Avec vous, il ne faut pas tergiverser. Il faut aller droit au but. Vous avez été pointé. Contentez-vous de ce souvenir. Collez-lui la paix avec son épouse. Parce que quand vous détruisez les couples, vous vous êtes content d'avoir détruit. Nous, on est triste parce que des beaux couples sont détruits. Mais Dieu a permis aujourd'hui qu'ils se retrouvent. Permettez à ce beau couple de vivre leur best life. Si Francis t'a pointé, tu étais contente, non? Tu as pris ton cou, tu as pris ton pied. Collez-leur la paix, même si vous avez fait les vidéos, nous on s'en fout. Je vous dis, je suis prête pour ce couple. Je suis très prête. Je répète, toutes les filles que Francis a pointées, contentez-vous de ce que vous avez reçu. La pitance. Vous avez senti bon, non? Qu'est-ce que vous voulez remuer? Quelle plaie? Vous n'allez rien faire dans le sang de Jésus. Vous laissez le couple là tranquille. Parce que vous nous avez fait beaucoup souffrir. J'ai fait les neuvaines pour revoir mes enfants là ensemble. Ils vont bien ensemble. On ne peut pas faire comme ça en Afrique. Vous détruisez les gens, vous faites trop de mal aux gens. Laissez-les tranquilles. Personne ne va écouter vos bêtises. Il vous a pris en levrette, c'est votre problème. Il a pris comment? C'est un homme. Je vous avais déjà dit, non? Le gars a la prestance. Il a la taille. Dieu lui a tout donné. Il a le bagage. Vous êtes venu profiter. Contentez-vous de ça. C'est même pas la peine de raconter que vous êtes sorti avec lui. Il n'y a qu'Emilia. Comme il appelle affectueusement, Emilia. Laissez le couple là tranquille. Qu'il continue à faire d'autres enfants au calme. Ne vous agitez pas, ne vous faites pas voir. Je vous dis que je suis prête pour les ex. Je suis prête pour vous. Même avec les mains. J'ai fait le judo. Hein. Même avec les mains, je vais lutter. La maman va lutter pour qu'on laisse ses enfants tranquilles. Ce beau couple. Hé, Dieu! Dieu n'oublie personne. Merci Seigneur. Si ils sont heureux, je suis heureuse. Moi, à mon âge, qu'est-ce que je veux? J'aime voir les gens heureux. Quand vous avez détruit ce couple, ça m'a dérangé. Ça m'a beaucoup dérangé. Ils sont bien ensemble. Ils sont tous beaux. Au moins, on voit un beau couple. Il y a des couples, tu les vois, le couple, le mari est bizarre, la femme est bizarre. Voilà des beaux spécimens. Vive l'Afrique. Vous laissez donc désormais Francis tranquille. Monsieur Francis Nwemba, comme je l'appelle, avec son épouse Emilia Nwemba. Cherchez vos vies, cherchez vos vies. Vous voulez mourir, Tisa? Ils étaient encore mariés, hein? Vous avez cru que quoi? Ils étaient encore mariés. Donc c'est un couple qui est marié. Personne n'a emprunté chez l'autre. C'est le couple. Vous qui êtes venu profiter entre temps, heureusement que vous avez bien fait ça. Vous avez eu mal, non? Vous étiez contente, non? Il vous a mis ça au bon endroit, sans vaseline. Mais Francis, c'est un homme. Moi, je lui avais dit que pointez les filles, casse les rangs, casse les rangs. Donc, Emilia est là. Le couple est ensemble. Foutez-leur la paix. Et vous qui étiez content que vous allez faire si c'est quoi avec Emilia, vous aussi, pitié pour vous. Francis va vous taper, hein? Parce que non seulement c'est un homme, il a aussi la force. Physiquement, il va mettre le coup de poing. Hein? Et vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Vous collez la paix. Cherchez vos femmes. Enlevez le nom d'Emilia dans vos téléphones. Enlevez le nom d'Emilia. C'est les filles qui me font trop pitié. Donc vous avez cru que vous avez le niveau. Vraiment, il y a les filles qui rêvent. Hein? Donc vous avez cru que vous pouvez remplacer Emilia. Vous avez cru ça? Donc, débarrassez-vous des numéros. Emilia, elle avait son mari. À l'heure où je vous parle,
Je viens de parler avec le couple là. Ils sont dans la chambre en train de multiplier les enfants. Enlevez leur numéro dans vos téléphones. Partagez massivement cette vidéo. Que les ex sachent que vous devez seulement vous souvenir. Vous allez vivre dans les souvenirs. Cherchez vos gars. Il y a encore les hommes libres. Cherchez. Enlevez le nom de Francis dans vos téléphones. Enlevez. Enlevez. Ça a assez duré. Le désordre a assez duré. Maintenant, le professeur est rentré dans sa classe avec sa maîtresse. Foutez-leur la paix. La paix. Nous parlons de paix aujourd'hui. On ne veut pas les bruits. Gardez vos ressentiments. Gardez vos frustrations. Gardez vos aigreurs. On veut la paix. Merci Seigneur. Nous voulons la paix. On a la paix du cœur. On a la paix du cœur. Maintenant, on a la paix du cœur. Laissez les couples en paix. Si tu n'as jamais été marié, si tu voulais te marier, oublie. Ouais. Ouais, les filles. Assia. Vous savez que vous allez faire quoi? Vous savez que vous allez faire quoi? Laissez. Je ne me moque pas, mais en même temps, je me moque. Foutez vraiment la paix à ce couple. Le couple Mvimba. C'est bon. Oubliez, hein. Bye bye. Oubliez le couple, hein. Faites vos vies, hein. Cherchez vos vies, hein. Je sais que ce n'est pas facile, mais débrouillez-vous ailleurs, hein. Allez chercher aussi à former vos couples là-bas. Allez chercher. Battez-vous. Francis, Emilia, la paix. Vraiment, pardonnez-nous. Nous voulons la paix. Nous avons déjà la paix. Merci, au revoir. Bonne journée. Vive le couple Mvimba. À bientôt. Au revoir.